Après le groupe Orange, l'opérateur SFR Caraïbes lance son réseau mobile 4G. Couverture, tarifs, data, on fait le point avec Frédéric Ayotte, directeur général délégué du groupe, au micro de Anne-Elisabeth Artsen. SFR Caraïbes annonce donc aujourd'hui le lancement de son réseau 4G qui sera disponible, les offres seront disponibles dans nos boutiques à partir du 1er décembre. Et nous faisons une annonce extrêmement ambitieuse puisque nous démarrons notre réseau 4G avec une couverture de 95% de la population en Guadeloupe, hein, un réseau 4G, 4G+, et avec par ailleurs des offres commerciales extrêmement intéressantes puisque nous lançons notamment un forfait à 20 gigas d'Internet à 39,99 €, ce qui est absolument unique sur le marché. Nous lançons également un forfait 30 gigas à 49,99 €. Alors, nous avons depuis 12 mois mené des travaux extrêmement importants sur notre réseau, puisque nous avons changé notre réseau mobile de A à Z, hein, aussi bien les relais sur le territoire que les parties centrales des réseaux. Nous avons aujourd'hui un réseau absolument top niveau, hein, qui est déjà en H+, de très très bon niveau, et nos clients nous le font savoir. Et aujourd'hui, nous lançons sur ce réseau la 4G, avec une couverture exceptionnelle de 95% de la population et une qualité exceptionnelle. Notre objectif est absolument clair, hein, c'est de devenir le leader du très haut débit mobile et de la 4G sur la Guadeloupe. Nous sommes déjà aujourd'hui le leader du très haut débit fixe, hein, puisque nous avons plus de 100 000 foyers qui sont raccordables à notre réseau très haut débit fixe avec nos offres SFR Box. Et bien aujourd'hui, nous prenons le lead sur le très haut débit mobile. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.